messieurs, dames, vous allez voir des animaux dans des cages. Comme l'an dernier, des militants de la cause animale se sont invités à l'entrée du cirque de Saint-Pétersbourg au parc des expositions d'Orléans. À l'appel du collectif Stop Cirque, 13 militants avec des pancartes ont exprimé leur désapprobation. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez un animal qui fait le pitre devant vous alors qu'il en souffre ? Maintenant que vous le savez aujourd'hui, renseignez-vous, il souffre cet animal. Maintenant, qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous trouvez ça normal de payer et de trouver du plaisir à regarder un animal souffrir ? Est-ce que c'est ça le plaisir ? Est-ce que c'est ça être un humain tel que moi je le vois, avec du cœur ? Non. Si la réflexion sur la place de l'homme et de l'animal n'est pas nouvelle, la montée de l'activisme remet la question au goût du jour, même si l'incompréhension reste totale de part et d'autre entre antispécistes et professionnels du cirque. Est-ce que c'est pas parce que... C'est souvent les mêmes groupuscules qui viennent pour essayer d'imposer leur idéologie. Mais après, bon, nous, ça nous fait rien. Le public, il vient et il sait très très bien et il va voir comment sont nos animaux, la complicité qu'il peut y avoir entre l'homme et l'animal et les conditions dans lesquelles ils sont avec nous, que ce soit pour les fauves ou moi qui m'occupe des animaux exotiques, que ce soit zèbres, chameaux, etc. Et on avait pour objectif de passer le cap des 10 000 spectateurs ici à Orléans durant ces 4 jours. Et ben aujourd'hui, on va le passer. Donc ça prouve que le public d'Orléans est amoureux du cirque traditionnel, du cirque avec animaux. De leur côté, les militants réclament l'interdiction pure et simple de spectacles avec animaux.